Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là. Quant à nous, ça va. Merci pour l'être et le mouvement que nous avions pour continuer l'activité de dénonciation sur l'assassinat de Martinez Hugo. Et je félicite tous ceux qui continuent de mettre la pression et qui ne cessent chaque jour de dénoncer ce qui se passe. Voyez-vous ce qui se passe, on veut nous avoir avec l'usure. Mais c'est notre détermination qui pourra aboutir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse que cette affaire soit non élucidée. Il faut véritablement continuer la pression en tant que peuple. Parce que si nous laissons passer cette injustice, ça veut dire que nous en tolérons une autre. Donc continuons à nous mobiliser pour notre compatriote, notre collègue, notre frère, notre parent, Martinez Hugo. Mais nous allons regretter le comportement des uns des autres qui estiment qu'il y a une volonté de certains Camerounais, une volonté politique, soit à diviser les peuples, les tribus. Et je suis outré de savoir que des gens aujourd'hui sont incapables de dénoncer cet assassinat, sont incapables de dénoncer ce meurtre, et trouve une seule logique, une seule raison de protéger les suspects dans l'assassinat de Martinez Hugo. Et quand nous les écoutons, on s'en rend compte que la plupart de ces gens n'ont qu'un regard sur le prisme du tribalisme qui gangrène notre société davantage. Mais je peux leur dire que cette injustice ne va pas perdurer. Parce que le Cameroun n'est pas leur propriété, c'est la propriété de tous les Camerounais d'ailleurs. Parce que nos parents ont longtemps cultivé ce Cameroun. Nous sommes tous co-héritiers de ce pays. Il n'appartient moins à une tribu, un groupuscule d'individus, à une personne. Et nous nous battons pour que le Cameroun ne soit pas sous la patronisation, la patronisation d'un individu. Donc, ce n'est pas la propriété de Paul Biya, ni moi de sa famille, ni moi de sa tribu. C'est la propriété de tous les Camerounais. Et nous vivons au Cameroun parce que nous avions accepté le deal de la construction d'un État, d'une république, où tous les peuples, tous les tribus ont décidé d'aligner leur liberté pour qu'on construise un État de droit, une république, qui protège tous ses enfants. Donc personne ne va nous empêcher de nous indigner contre cet assassinat odieux, non seulement qui a bénéficié de la complicité des agents de l'État, mais à des personnalités véreuses, des hommes dont on nous a présenté comme étant des hommes d'affaires pour la construction de l'économie nationale, mais qui aujourd'hui ont décidé de tuer les Camerounais qui osent balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de leur affaire. Oui, si ça pouvait être une affaire qui leur concernait, qui ne concernait pas la nation, je ne pense pas que Martinez Hugo aurait dû s'ingérer dans ces dossiers. Mais Martinez Hugo l'a fait parce que on mettait à mal le bien commun, on mettait à mal le gâteau national. On a détourné l'argent des Camerounais pour enrichir un individu, pour satisfaire des projets mortifères, néfastes pour la construction de notre nation. Donc Martinez Hugo pour nous est considéré comme héros, parce qu'il ne le faisait pas pour une tribu, pour un intérêt personnel, mais il le faisait pour le peuple camerounais. Et c'est parce qu'il le faisait pour le peuple camerounais que nous avions décidé de ne pas être silencieux, de l'accompagner et de l'encourager. Permettez-moi ce soir d'entrer sur ce premier axe, le cas des influenceurs. Une liste a été publiée par Jipoué Mingono qui nous informe qu'il y a une liste des influenceurs qui ont reçu de l'argent
dans le but de manipuler l'opinion publique, dans le but de détourner l'attention du peuple camerounais autour de cette affaire. Et d'influencer le rôle de la justice. Je me réserve par rapport à cette sortie, parce que même si on peut remettre en cause l'authenticité ou bien l'objectivité de cette liste, mais ce qui me paraît très intéressant dans cette liste, c'est parce que les noms qui sont cités, qui sont évoqués, la plupart des noms des personnes qui s'y retrouvent dans cette liste sont ceux, d'une manière directe ou indirecte, en fait de la propagande. D'autres sont restés dans une conspiration du silence. Alors qu'on attendait d'eux, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, de marquer leur indignation. Donc, cette liste, pour nous, nous questionnons la pertinence. Même si on peut peut-être avoir des réserves sous certains noms évoqués. Mais la pertinence de cette liste nous pousse à de véritables réflexions. Une des réflexions qui s'oppose à nous, c'est la dominance du pouvoir politique. L'exercice de la violence et de la force du politique dans le but de contrôler l'opinion. Le politique aujourd'hui n'utilise plus la force, mais utilise la ruse. La ruse qui est définie comme une intelligence malicieuse ou une intelligence pervertie. Dans le but de contrôler les masses. Mais que va faire le politique? Le politique va s'exercer dans l'entreprise du divertissement. Pour contrôler l'opinion. Pour abrutir l'opinion. Le politique va se servir des influenceurs. Qui eux constitue ce que nous appelons l'entreprise du divertissement dans le but d'égarer les Camerounais, d'éloigner les Camerounais sur les vraies problématiques qui se posent à notre nation, pour empêcher les Camerounais de structurer ou d'organiser la conversation nationale autour des questions qui minent notre pays. En l'occurrence, la criminalisation de la société camerounaise. Et cette entreprise du divertissement, dont y participent la plupart de nos influenceurs, ces artistes, ces comédiens, participent à bâillonner la raison critique du peuple camerounais. Qui, face à un crime odieux, pareil, préfère plus nous servir le divertissement au lieu de s'attarder à l'humain qui a été torturé, maltraité, découpé, sodomisé, permettez-moi du terme, parce qu'il a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée du business de Amougou Bélingan, lui Paul Motazé et le ministre Laurent Esso et bien d'autres. Donc quand il les interpelle, parce que beaucoup ont reçu de l'argent, si certains n'ont pas reçu de l'argent, mais ils sont dans une conspiration du silence, et cette conspiration du silence, ils vont servir à l'industrie du divertissement, en fait, de bâillonner la raison critique de l'opinion publique camerounaise. Que les Camerounais ne s'y intéressent pas à cette question.
ne s'y intéresse pas à ce problème, mais pense à autre chose. Et ils ont développé une rhétorique en sémant la peur, la psychose au sein de nos populations. Et cette rhétorique, c'est quoi? Se construit, c'est quoi? Je veux voir mes enfants grandir. Je ne fais pas la politique. Ça ne me concerne pas. Oh, vous pensez qu'ils le font innocemment? C'est faux. Ils le font expressément pour construire la peur, la psychose, afin de faire croire aux Camerounais. Quiconque s'indigne ou s'élève subira la censure, la sanction et la punition. Donc ils sont dangereux pour notre société. Ils sont une menace pour la société camerounaise. Les politiques savent aujourd'hui, et la plupart des États l'utilisent. Certains savent que pour soumettre les hommes, on n'a pas besoin d'utiliser la force, mais la ruse, qui est une intelligence malicieuse ou pervertie. Mais comment on va soumettre les hommes? On va utiliser le divertissement. Et dans ce divertissement, quels sont ceux qui vont servir à divertir le peuple? Les artistes, les comédiens, les influenceurs, les blogueurs, et tout ce que vous pouvez voir. Il faut empêcher le peuple de réfléchir. Et ce peuple va aliéner sa liberté, va aliéner sa raison critique. Et ils sont ce qu'on appelle, ce que la Boétie a appelé, dans une servitude volontaire, une soumission volontaire. Et les politiques vont s'accaparer du pouvoir, vitam aeternam, vont tuer tous ceux qui oseront élever leur voix pour revendiquer mieux-être dans notre nation. Honte à vous, influenceurs. Honte à vous, artistes. Honte à vous, comédiens. Vous qui restez indifférents face à cette situation. Mais nous, la minorité consciencieuse, nous allons renverser ce paradigme. D'ailleurs, le rapport de force, il est créé. Tous ceux qui participent à l'ensevelissement de l'espoir du peuple camerounais, vous allez nous rencontrer dans tous vos événements. Ainsi a parlé le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Je pense que ce mouvement vous parle, vous enseigne et vous connaissez ses sorties. Maintenant, je vais entrer sur le deuxième axe. J'ai dit ce soir que je devais parler de la sortie des chefs traditionnels. J'ai fait un post aujourd'hui, où beaucoup peut-être n'ont pas compris. Je vais le renchérir. Pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui ont pris le soin de lire le test des chefs Sawa, peuvent être d'accord avec moi qu'il y a un flou entretenu dans le communiqué de l'association des chefs Sawa. Oui, il y a des généralités dont ils évoquent. Nous sommes d'accord. Mais lorsqu'on a ce communiqué, au premier degré, on ne ressort véritablement rien. On est ambigu. On est dubitatif. Et ce soir, j'ai juste envie de vous dire que ce communiqué a une dimension hautement politique et qui nous renseigne
sur l'avenir de beaucoup de choses dans notre pays. Mais malheureusement pour vous qui m'écoutez, peut-être pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais c'est ce communiqué, pardon, pour ceux qui ont analysé sous le prisme de la politique ce communiqué, vont être fiers de la position et de la sortie de chef Sawa. Parce que ce communiqué nous renseigne entre les lignes beaucoup d'éléments. Donc quand moi j'ai fait ma sortie ce matin, c'était de dire à ce chef Sawa, mais il fallait prendre une position courageuse. Mais nous sommes au Cameroun, il faut comprendre. Moi, ce que j'étais en train de vouloir dire dans ma sortie ce matin, le petit poste que j'ai fait, c'était de dire au chef Sawa, mais il fallait prendre une position courageuse. Il ne fallait pas tourner parce que quand on analyse la profondeur de ce communiqué, on sait de quoi ce communiqué parle. Permettez-moi de lire ce communiqué avec vous. Communiqué à l'attention, à la suspicion généralisée. Ça, c'est le titre. Ils disent qu'il y a une suspicion généralisée. On suspecte tout le monde. Il n'y a même pas de présomption d'innocence au Cameroun aujourd'hui. Donc, les chefs décident de nous menacer. Nous d'abord. Écoute ça. Au lendemain de la fête nationale de la jeunesse et du message d'engagement et de motivation délivré par le président de la République. Il motive qui ? Le président de la République à cette occasion. L'association des chefs traditionnels coutumiers des villages Sawa du Vouri tient à tirer l'attention sur le fait que le climat de suspicion généralisée qui prévaut actuellement n'est propice ni à une construction morale harmonieuse de notre jeunesse, ni au développement paisible et participatif du pays. Elle rappelle que le Cameroun n'est pas un peuple de voleurs ni de détenus. Je suis d'accord. Ce n'est pas un peuple de voleurs et de détenus le Cameroun. Je suis d'accord. C'est ceux qui nous dirigent là, qui sont des malhonnêtes, des chebas. Et le premier cheba, c'est Paul Biya. C'est la responsabilité de l'État de remettre les choses dans le bon ordre. On appelle un leadership conséquent. Hein? Pour entretenir les choses. Pour donner une société de valeur. Ils disent là. Hein? Que Biya a échoué. C'est ça qu'ils disent, entre autres. C'est la responsabilité de l'État. Si on assiste aujourd'hui au détournement, tout ce banditisme, ils reconnaissent que le peuple n'est pas voleur. On n'a pas un peuple de voleurs, de détourneurs. Mais c'est l'État qui est responsable de cette situation. Parce qu'elle n'arrive pas à remettre les choses en ordre. Donc c'est Paul Biya qui a organisé ce système de banditisme. Ils le disent. C'est très politique. C'est ce qu'ils disent. Tu entends ça? Mais avec beaucoup de diplomatie dans le test. Il ne peut pas dire Paul Biya directement. Mais là, il responsabilise Paul Biya d'être à l'objet de tout ce désordre, de vol, de détournement. Or, c'est lui qui a les manettes de la République, donc il peut mettre de l'ordre s'il le veut. Mais ils disent que le peuple camerounais n'est pas voleur. Le Cameroun, c'est un bon pays, c'est ce que les chefs disent. Mais s'il y a des voleurs, ce n'est pas le peuple. C'est ceux qui dirigent, qui sont des voleurs et des détourneurs. Donc, il revient à l'État, à Paul Biya, de mettre de l'ordre. De faire en sorte que les honnêtes gens soient considérés comme tels et que les voyous, les coquins et les assassins soient punis conformément à la loi. Tu entends ça? Ils disent, Paul Biya, c'est toi qui as les manettes de la République. C'est quoi ce pays? Où tu ne veux pas reconnaître les valeurs, les hommes de valeur. Or, dans notre pays, il y a des hommes de valeur. C'est eux que tu dois mettre devant, que tu dois pousser. Comment vous ramassez un Bellingham Mougou? On ne sait pas où il vient. Vous lui donnez la fortune publique. Vous détournez les fonds. Vous donnez un monsieur comme ça, un voyou. C'est ce que les chefs disent. Les voyous, les coquins, les assassins. Donc écoute la sortie là.
Toi, tu penses? Moi, je suis d'accord avec la sortie des chefs. Donc, quand j'ai dit ce matin qu'on ne comprend pas ces deux choses qui sont dites, c'est parce qu'ils ont embrouillé ça. Donc, moi, quand j'attaquais là, j'attaquais les chefs, toi, tu viens, tu parles dame, et tu mets ton poste là, tu es malade, ouf. Quand tu ne comprends rien, passe. Ne viens pas parler dans mes postes, passe. Je me parle à moi d'abord, quand je fais mes postes. Maintenant, ceux qui veulent comprendre, qui comprennent. Ne viens pas poster des inepties. Imbécile, ouf. Tu viens pour chemin, tu te fouettes. Nous, on est contents de ça. Tu es là, tu viens dans le poste. Tu viens directement. Parce que tout pour toi, c'est le tribalisme qui parle. On t'a dit que tout le monde est tribaliste. Toi, si tu veux rester dans les gènes du tribalisme, nous, on n'est pas tribaliste. Tu entends ça. Et on parle de tout le monde. C'est le Cameroun, c'est notre pays. Tu peux même m'empêcher de parler des choses des peuples sawa. Ouf. Oui. Et d'ailleurs, ma chance pour toi, je suis né là-bas, au milieu d'eux. Je parle même plus trop. Donc, je vais parler, ouf. Attends, tout beau. Tu es toqué. C'est la chose de la République. Je parle. Et il a appris avec consternation l'odieux assassinat du journaliste matinès Zogoupé Pétré, courant janvier 2023 à Yaoundé. L'association des chefs traditionnels du Vouri présente ses sincères et profondes condoléances à la famille durement éprouvée, de même qu'à tout le peuple camerounais fortement ému par ces crimes crapuleux. Les chefs traditionnels du Vouri expriment leur soutien total à l'enquête instruite par le chef de l'État et partage la volonté de la grande majorité des Camerounais de voir les coupables de cet acte innommable arrêtés, jugés, condamnés à la dimension de leur crime. C'est les chefs qui parlent. Les chefs traditionnels du Vouri invitent leurs enfants et la nation tout entière à demeurer vigilants, à ne pas se fier au développement fait dans les réseaux sociaux autour de cet assassinat avec leurs résultats, aussi rapides que spectaculaires, qui ne peuvent que nuire à l'enquête officielle. En même temps, qu'elles rajoutent à la douleur des familles et à l'émotion de nos compatriotes. Ils incitent les uns et les autres à faire confiance aux institutions de la République en charge du dossier. Les chefs traditionnels du Vouri condamnent le lynchage médiatique dont sont l'objet de certaines hautes personnalités, alors que leur culpabilité n'a été ni formellement ni clairement établie. C'est la diplomatie. Mais eux, là, plus haut, on a lu ici, là, plus haut, ils ont dit qu'il incombe à la responsabilité de l'État d'appliquer la loi contre les voyous, les bandits, les assassins. Maintenant, ils disent que dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Ils sensibilisent, non? C'est normal. Ils le font pourquoi? Il faut calmer. Tu m'entends après. Ils ont fait la haute politique. Peut-être que tu n'as pas. Moi, je suis fier d'eux. Je suis fier des chefs sawa. Voilà. Je suis fier. Je ne lis pas ça au premier degré. Nous, maintenant, là, c'est sous le prisme de la politique que nous lisons ce communiqué. Parce qu'ils ont fait, c'est la politique. Donc, ils sont obligés maintenant. Tu vois, ils disent, ne touchez pas, ne lynchez pas. Certaines personnalités, c'est pas bon. Hein, pour influencer le coup, on sait où ils veulent en venir. Je lis pour toi. Donc, calme-toi. En même temps, qu'elle rajoute à la douleur des familles, à l'émotion de nos compatriotes. On t'a dit que ça ajoute la douleur à la famille. La famille nous suit correctement bien. La famille nous encourage. La famille est fière parce qu'on a amplifié. Nous soutenons. Calme-toi.
Sa Majesté, calmez-vous. Bon, c'est la politique. Les chefs traditionnels du Vuri condamnent le lynchage médiatique dont font l'objet de hautes personnalités, alors que leur culpabilité n'a ni formellement ni clairement établi. Ils en appellent par conséquent à la retenue, exhortent au respect de la douleur des familles, qu'au respect de la présomption d'innocence. Les chefs traditionnels du Vuri s'engagent à rester vigilants et à tout mettre en œuvre en leur qualité de gardien de nos traditions, afin que les coupables, les vrais coupables, et ils ont signé ça en gras. C'est en gras. C'est ici. Si tu as ce test, c'est en gras. Le test, la partie où il dit les vrais coupables, ils ont mentionné ça en gras. Tu sais, quand on mentionne un test en gras, c'est un mot. C'est l'importance du mot. Dans le test, on ressort la haute importance du mot dans le test. Quand il est souligné en gras. Les vrais coupables, ainsi que les facilitateurs et les donneurs, dont les chefs reconnaissent qu'il y a des coupables, qu'il y a des facilitateurs, il y a des donneurs d'ordre, payent eux-mêmes la dette de sang qu'ils ont contractée. Ainsi, l'âme de Martinez Zogo retrouvera la paix. Tu attends. Les chefs disent que dans le dossier de Martinez Zogo, ils savent qu'il y a des coupables. Mais en dehors des coupables, ils sont conscients qu'il y a des facilitateurs et des donneurs d'ordre. Tu entends ça? Maf. Maf. Je regarde quoi? Il n'y a pas de pardon derrière moi. Mouf. Non, maf, on est prêt. À banque, Prado la lupienne. Nous, ils nous tuent sur place. Ils nous parlent pas avec nous. Ils nous tuent. Là, là, là. On résiste, ils nous tuent sur place. Tu es malade. Avant de nous tuer, un tombe d'abord. On sait qu'on va mourir. Mais un d'abord tombe. On calcule une bonne lâcheté. On guette un. On donne un coup. Dans des coins vitaux. Boum! Donc, avant qu'on m'assassine, l'autre aussi, on part ça. Comme ça, le Seigneur dit, ce jour, tu seras au paradis avec moi. Je dis pas, amen. Tu es malade. Non, ne fuis pas. Les vrais coupables, ainsi que tous les facilitateurs, les donneurs d'ordre, payent eux-mêmes la dette de sang qu'ils ont contractée. Ainsi, l'âme de Martinez Zogo retrouvera la paix. Dans quelque sorte, les chefs demandent qu'il faut la justice. Tu entends ça? Il faut la justice. Si on veut que l'âme, le démon de Martinez, son âme, ne hante plus les gens, il faut la justice. Maintenant, écoute. Donc, ils ont dit ça, ils nous ont mis en garde. Dans les réseaux sociaux, il ne faut pas écouter machin truc. Mais quand tu écoutes le langage, dans le langage des chefs, il y a une certaine duplicité. Ils condamnent les réseaux sociaux. Mais en même temps, les chefs ne nient pas que derrière cet assassinat, ils savent qu'il y a des coupables, il y a des facilitateurs, il y a des donneurs d'ordre. Maintenant, en même temps, ils nous appellent à la retenue que vraiment, il faut accorder la présomption d'innocence. N'indexez pas les personnalités parce que nous, on indexe les nous autres. Tu as même vu, j'ai mis. Moi, je demande la démission de Laurent Esso. Mais les chefs sont en train de me dire, tout beau. Oui. Accorde même la présomption d'innocence. Ouf, présomption d'innocence, quoi, laisse-moi. Ils sont politiques. Tu entends ça? Donc, ils ont bien parlé. Ici, les chefs, là, ont bien parlé. Mais écoute, c'est en deux versions. Voilà la première partie. Deuxième partie, écoute donc. La deuxième partie qui m'intéresse le plus. Par ailleurs, c'est grave. Par ailleurs, on peut remplacer par ailleurs par mais. Néanmoins, pourtant, cependant, ce sont des adverbes ou des conjonctions. Et quand on utilise de tels adverbes, par ailleurs, d'une part, néanmoins, cependant,
ça annule ce qui a été évoqué précédemment. Tu entends ça? En français, quand on utilise de tels adverbes ou conjonctions, ça annule ce qui a été évoqué précédemment. Je vais être ton professeur de français ce soir. Permets-moi. On porte toutes les casquettes, non? Souvent des pasteurs. Hein? Ce soir, je suis professeur de français. Mais quand il m'aide maintenant, il commence. Par ailleurs. Tu peux remplacer par ailleurs par pourtant, cependant, néanmoins, mais, qui peut être un adverbe ou des conjonctions qui annulent ce qui a été évoqué précédemment. Donc, ça, c'est ce test, cette conjonction, nous donne la dimension importante du communiqué. Qu'est-ce qu'ils disent donc dans par ailleurs? Par ailleurs, cette affaire pouvait être liée à des soupçons de détournement de deniers publics. Wow. L'association des chefs traditionnels, dont les chefs traditionnels disent que l'assassinat de Martinez Zogo est lié au détournement de fonds publics. Tu entends ça? Donc ils posent. Ils disent. Mais la fête de Martinez là, par ailleurs, ils disent même comment on a évoqué ça. On a dit aux gens sur les réseaux sociaux vraiment la retenue, présomption d'innocence. Mais ça n'annule pas le fait que cette affaire d'assassinat de Martinez Zogo est lié au détournement de fonds publics. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Les chefs là sont bandits. Écoute les chefs. L'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri rappelle qu'elle s'était élevée contre toute complaisance envers les coupables de tes faits en ces termes. Voir le communiqué publié le 20 juin 2021 et dont la presse a largement parlé. Quelle pirouette! Écoute la grande diplomatie de ces chefs. Au lieu que les chefs prennent position, s'expriment, qu'est-ce qu'ils font? Et ça devient important. Oh, c'est un message très clair. Les chefs traditionnels nous rappellent que le 20 juin 2021, pour les détournements des fonds publics, ils avaient fait une sortie. Et la presse a largement diffusé ça. Et qu'est-ce que les chefs avaient dit à l'époque? Donc les chefs disent que les paroles, ce qu'ils avaient tenu comme discours le 20 juin 2021, c'est d'actualité. Ils insistent encore, c'est le même discours qu'ils tiennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent donc dans ce discours? Les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri se désolidarisent par avance de tout enfant du territoire dont la responsabilité serait avérée dans les distractions de fonds des chantiers de la CAN, des budgets relatifs à la riposte contre le Covid-19 et tous les autres détournements de fonds dont un usage judicieux et approprié aurait amélioré le cadre et les conditions de vie des Camerounais à Douala. Tu entends ça? Ils disent qu'à l'époque, ils avaient dit que si un fils de leur terroir est impliqué dans des cas de malversation financière, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas avec ce fils. En d'autres termes, ils disent au ministre de la Justice, si l'histoire qu'on entend là dehors, que c'est vrai que tu es impliqué là, nous on n'est pas là.
C'est la haute politique. Tu es là, tu dis, ils ont bien parlé, les chefs savoirs. C'est la haute politique. Ils n'ont pas souvent voulu reformuler, ils n'ont pas voulu repréciser ça. Ils ont utilisé le discours du 20 juin 2021. Ils disent, à l'époque, nous on avait dit ça. Que si un enfant de notre localité se retrouve dans le banditisme qu'on parle là, nous on n'est pas avec lui. Ils ont précisé, ils ont dit par ailleurs le problème de Martinez Ogo, son assassinat. C'est un assassinat lié à la dénonciation des détournements de fonds. Maintenant, nous chefs, on vous rappelle que le 20 juin 2021, nous avions dit si un enfant de notre village se retrouve sur ces cas évoqués, qu'il sache que nous n'allons pas le... Écoute ça. Donc, usage judiciaire approprié pour améliorer le cadre des conditions de vie des Camerounais à Douala. Donc, s'il a volé, il a détourné les fonds en faisant croire qu'il voulait aider les fils Douala, qu'il se trompe. Nous, on n'en croit pas ça, on n'est pas là. Donc, si tu nous as donné l'argent à l'époque, parce que nous sommes des chefs, qu'on entretient nos populations, sache qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas de combi. À nos gars combi, ils font comme moi. C'est ça. Ils disent à Lorenzo, si on a mangé hier, il n'y a pas de souci. Mais si tu nous donnais, c'est que tu nous donnais là pour manger. Pour que le jour, tu seras dans des problèmes. Et que tu attends qu'on te soutienne. Nous, on n'a pas d'amis. They give not have the combi. I'm not get combi. Nous, on te lâche. Les chefs traditionnels des villages du Vouri invite toutes les communautés camerounaises à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans de tels actes et désormais fait front et bloquent face à cette agression de la fortune publique. Donc ils disent, ils ont dit à l'époque là, que eux, ils ne peuvent pas couvrir les enfants et qu'ils invitent les autres chefs. Les gens dans Mougou Belingala, les élites là, les chefs là, cessez de déranger. Cessez de déranger à la présidence là-bas pour plaider la faveur du président de la République pour qu'on libère. Parce que c'est comme vous ne saviez pas. Il y a une délégation d'élite et des chefs qui partent plaider pour la cause d'Amougou Belinga en faisant croire que ce qui se passe va fragiliser la symbiose du peuple Ekan. Les Bamlékés veulent profiter de cette situation pour nous diviser. Cette histoire traîne comme ça là. Ah, on va vous dire des choses. Peut-être un autre jour. À l'heure-ci, à Mougou, l'histoire est en train de tourner. Les gars cherchent à fabriquer une histoire pour nous faire accepter ça. C'est pour ça que les jours qui viennent, la semaine prochaine là, si cette semaine, il n'y a pas d'avancée, la semaine prochaine, nous changeons de discours. On va monter. On va monter une autre dimension du combat. Ça, je vous le dis. Et j'ai passé toute cette semaine à sensibiliser certains de mes proches. Peut-être vous allez là vous ignorer. Les enquêteurs savent. On sait ce qui se passe. Mais il y a une pression. Il y a une bataille. Officieuse. Que vous ne voyez pas. Les gens veulent trouver des pirouettes pour libérer cet individu. On ne veut même pas arrêter le ministre de la Justice. Ni moi celui des Finances. Vous allez vous amuser. Vous blaguer. Vous riez. Les chefs des villages Sawa du Vouri invitent toutes les communautés camerounaises à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans de tels actes
et a désormais fait front et bloque face à cette agression de la fortune publique. Enfin, l'association des chefs des villages Sawa du Vouri invite le gouvernement à prendre toutes les initiatives utiles et pertinentes pour amener le climat social, économique, sécuritaire et apaisé. Pour l'association des chefs traditionnels, fait à Douala le 13, le jour de l'anniversaire de Paul Biya. Et je vais vous dire un truc. Les chefs Sawa ne sortent pas. Pas suivi. Quand vous voyez les chefs Sawa sortir et que le discours a une certaine duplicité, il faut comprendre des enjeux. Vous avez compris dans l'analyse des chefs Sawa. La fin. Où ils disent qu'ils invitent les autres communautés. Si un enfant est impliqué. Ici, les chefs Sawa sont en train de lâcher de manière claire et nette et visible le ministre de la Justice. Pourquoi? Il y a une bataille. Le ministre de la Justice doit être interpellé depuis. Tout le monde, on attend. Tous les enquêteurs, tous, ils savent. Mais pour que ça avance, il y a deux ministres. Celui des Finances et surtout celui de la Justice. Parce que son nom intervient tout le temps. Il semblerait que c'est lui qui donna le dernier mot. Qu'on finisse avec Martinez. Donc il faut l'entendre. Il a voulu instrumentaliser la communauté Sawa. Il a voulu instrumentaliser la communauté Sawa. Parce que Paul Biya estime que sa gouvernance se repose sur les équilibres régionaux. Il estime que sa gouvernance, sa gestion du pays repose sur les équilibres régionaux. Et donc, s'il n'a pas la garantie de ces équilibres régionaux, son pouvoir peut basculer. Donc, Lorenzo, qui est comme l'une des premières élites du littoral, qui est celui-là, qui supervise la politique générale de Paul Biya dans cette zone, instrumentalise l'énicisme dans le but de créer un rapport de force pour mettre en difficulté Paul Biya contre son arrestation. C'est pour ça que on vous a laissé fuiter quelques informations qu'à la tête du ministre de la Justice, s'il est démis de ses fonctions, il sera remplacé par un autre du littoral. Et c'est vrai. Il y a des consultations qui sont faites en offre. Parce que les Sawa se sont dit que, mais ça c'est notre élite. C'est lui qui a cette partie, qui maîtrise la justice, c'est quand même une élite. Si vous enlevez cette élite Sawa, nous aurons véritablement qui? Donc la promesse leur a été donnée que même si on enlevait le ministre Lorenzo, un Sawa reprendra le ministère de la Justice. Parce que lui vient instrumentaliser ça. L'énicisme. Pour bloquer. Parce qu'il a voulu faire croire à ses pères, Sawa, qu'il s'agit d'un complot contre sa personne et l'agent circulé. Mais comme c'est des réseaux, c'est divisé. Hein? Je vous donne là, c'est divisé, même entre les chefs. C'est divisé, même par rapport à ce truc. On a donc garanti, on a dit à ses chefs qu'il n'y a pas de souci. Parce que c'est les éléments sur lesquels Paul Biya s'appuie beaucoup. Il sait très bien qu'il a besoin de ses équilibres pour gérer le Cameroun. S'il n'y a pas cet équilibre, ça met en difficulté la stabilité de son pouvoir. Et donc, quand les chefs donc décident de sortir, parce qu'ils pouvaient sortir hein, depuis, après la mort de Martinez Zogo, si c'était vraiment touché, ils pouvaient faire ce communiqué depuis. Mais ce communiqué sort dans quel timing? Un timing où le nom du ministre de la Justice de plus en plus est amplifié. Où le nom du ministre de la Justice est de plus en plus, son nom de plus en plus, est cité dans ce dossier.
Mais quand on décide, quand les chefs décident, c'est non seulement apporter le soutien à Paul Biya, leur dire. Parce que le message que vous devez retenir, c'est que les chefs disent ici à Paul Biya que nous, dans notre discours, on a toujours dit qu'on ne protégera personne. Donc, Paul Biya, si tu peux faire ton travail, parce que c'est le message clair qu'ils ont envoyé, non seulement à Paul Biya, mais à Laurent Nsou. Que Laurent Nsou, si tu es impliqué dans cette histoire, nous, on te lâche. Et Paul Biya, sache que les chefs te soutiennent dans ces démarches. Et tôt, Laurent Nsou ne pourra pas instrumentaliser la tribu pour mettre en difficulté les institutions. Parce qu'on sait comment ça fonctionne, ce chantage. C'est une élite qui a décidé de ramener le littoral dans le RDPC. Donc, il a voulu instrumentaliser cette carte politique pour empêcher sa démission à la tête du ministère de la Justice et aussi son arrestation dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Donc, quand les chefs décident de faire la sortie, ils pourraient le faire depuis le décès, hein? Si c'était vraiment la sortie, si c'était vraiment le décès, l'assassinat de Martinez Zogo qui les intéressait. C'est pas l'assassinat de Martinez Zogo qui a pu... Mais la pertinence de ce document, de ce communiqué, c'est un message profond aux chefs de l'État ou les chefs traditionnels qui sont non seulement les garants de la culture, des us et coutumes du peuple Sawa, mais ils ont une expérience basée au sein du peuple. Donc, ils ont une proximité avec le peuple. Ils ont la sociologie du peuple. Ils savent l'influence qu'ils ont sur le peuple. Donc, même si Laurent Nsou veut organiser un soulèvement dans le but d'empêcher son arrestation, les chefs dont seront donc les haut-parleurs qui diront à leur peuple de faire confiance aux institutions. Et que d'ailleurs, eux, ils saluent la démarche de la lutte contre la corruption au Cameroun. Donc, si leur fils est impliqué, donc c'est une préparation. Ils savent, dans cette pression. En réalité, on arrêtait Laurent Nsou. Bon, c'est pas encore fini. Mais depuis, il doit être arrêté. On doit le démettre. Ce qui se passe en réalité, et vous aviez suivi tout sur Equinoxe. On a renvoyé les autres au tribunal criminel spécial. Mais tout le monde, ceux qui suivent le dossier, vous disent que l'enquête est bloquée parce qu'il y a certaines personnalités qu'on doit écouter, en l'occurrence le ministre de la Justice. Or, c'est bloqué parce que le ministre de la Justice a porté le levier de la carte politique pour neutraliser, pour mettre en difficulté la stabilité du pays. Donc, le président de la République, avant donc de démettre le ministre de la Justice, doit se rassurer que dans la communauté Sawa, il n'y aura pas de frustration. C'est pour ça que ce poste sera donné à un Sawa. C'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Pour ne pas frustrer ce peuple. Oh, ça bloque parce que le ministre fait par des voies et moyens. Il ne dort pas. Hein? Ne voyez pas qu'il est, il n'est pas serein. Le ministre ne dort pas. Laurent Nsou ne dort pas, il n'est pas serein. Il est malade. Il n'est pas serein. Il sait que c'est sa tête qui va tomber. Et vous avez vu que dans le nouveau déploiement, même Amougou Beninga, on lui a dit, ne dénonce personne. Dans la confrontation, Amougou Beninga, lui, il insiste dans son disant que non, curieusement, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a reçu aucun autre, d'aucun ministre. Et même le ministre Laurent Nsou, on dit au début de cette affaire, il a appelé le président, ils ont discuté. Et dans la conversation, bon, c'est ce qui a été relié, hein. Dans la conversation, il dit qu'il ne, dans ce dossier,
Il n'est de loin ni de près concerné dans ce dossier. Et qui ne connaît pas Amougou Belinga, il a dit au président. Oh, ce monsieur-là, vu chez Amougou Belinga, pendant le baptême des enfants d'Amougou, manger. Amougou Belinga, il y a un audio qui circule. Où Amougou Belinga menace. Le type là, ou bien c'est qui là? De la police, Baya. Il menace que je vais dire au gars des Sceaux. Belinga Amougou dit qu'il c'est lui qui fait nommer les gens au ministère de la justice. Comment l'aurait sauvé nier l'amitié, son amitié avec ce monsieur? C'est pas sérieux. Ils sont pris dans leur propre piège. Donc ce qui se passe, c'est que le gars veut agiter la carte politique pour se maintenir. Donc quand les chefs sortent, les chefs donnent le quitus à Paul Biya de l'arrêter. Voilà le message qu'il faut saisir. Donc la sortie des chefs Sawa, tu n'as pas donc compris. En réalité, cette sortie des chefs Sawa, ils désavouent leur fils. Lis le dernier paragraphe. Et il donne le cultus à Paul Biya. Arrête, c'est coupable. Il faut le démettre. Et pourquoi ce débat? Parce que le président les a rassurés que si j'enlève votre fils, calmez-vous. Je vais mettre un autre fils de votre région. C'est pour ça que le nom de Tobo Eyoum a circulé. Qui est membre du bureau politique du RDPC. Un autre cacique dans le littoral. C'est une élite. Très grande élite dans le litre Thomas Tobayo. Tu entends ça? Dans Momo, n'achète pas le champagne, c'est pas toi. Donc c'est quand dans ce deal, il les a rassurés que les gars n'ont pas fait ce communiqué au hasard. Tu entends? C'est pas au hasard. S'il fallait vraiment le faire pour Martinez Ogo, on devait le faire avant. Mais regardez le timing. Ils le font cette semaine parce que le nom du ministre de la Justice est évoqué de plus en plus. Or, cette sortie, il donne le cutus au président de la République d'arrêter le ministre garde des Sceaux. Mais entre-temps, ce monsieur est en train de batailler pour se maintenir. Il y a un chantage. On fait croire que les membres, les éléments de la DGRE ont menacé de mettre au dehors certaines informations sensibles. Si on continue, vous voyez toute une grosse manipulation et gros chantage qui est organisé pour neutraliser à l'avancée de cette enquête. Mais ce que je vais vous dire, cette enquête est au-dessus de Paul Biya. Pour cette fois-ci, il a la pression de toutes les chancelleries. Tout le monde veut voir clair. Et le peuple camerounais. Et c'est pour ça que nous disons donc pour sortir. Nous avons encore 2 jours, 48 heures, ou bien toute cette semaine. Mais si la semaine prochaine, parce que l'enquête est bouclée. Permettez-moi de boire de l'eau, pardon. L'enquête est bouclée. Tout ce qu'on attend, c'est que le président de la République doit démettre tous ses ministres. Lui, pour Moutassé, le ministre de la Justice, de leurs fonctions. Qui ne juge aucune immunité. Ils doivent se présenter devant ses enquêteurs. C'est tout ce qu'on attend. Donc, si cette semaine, Paul Biya n'agit pas, à partir de la semaine prochaine, je pense que nous allons construire une autre rhétorique. Non seulement demander la démission, mais nous devons demander la démission, le départ de Paul Biya. Si ça traîne, parce que là, ils veulent nous avoir sur l'usure. Parce qu'il y a des mauvaises langues. Il y a, en fait, pas des mauvaises langues.
Il y a des rumeurs qui circulent, qu'il y a même des tractations. Et je vous ai dit qu'on a envoyé des élites et des chefs hein, rencontrer Paul Biya et Mvomeka. Il y a tout un débat, pourquoi on libère l'autre? Et il disait que non, tu sais, c'est notre riche. C'est le seul riche des écans. Il faut le protéger, ne le bousons pas comme ça. On veut donc construire une histoire pour calmer l'opinion et libérer Amougou Belinga. C'est très grave. C'est pour ça que ça n'avance pas. Donc, si les choses ne sont pas lisibles et claires et transparentes, ben c'est un problème. Chaque jour, un procureur de la République devait s'exprimer sur l'évolution. On ne lui demande pas de donner le secret. Mais au moins, les généralités, l'évolution de cette situation. On ne doit pas entretenir le flou. Donc, si cette semaine, ça n'avance pas, la semaine prochaine, que le peuple camerounais, qu'on s'organise à demander la démission de Paul Biya. Qu'on s'organise pour demander finalement la décision. Parce que cet assassinat-là, Paul Biya ne doit pas nous gagner avec ça. Ils ont trop tué dans ce pays. Il ne faut pas laisser passer cette histoire. Si cette semaine, ça n'avance pas, les choses n'évoluent pas, le Cameroun doit s'organiser dès la semaine prochaine. J'invite la société civile, les partis politiques, tout le monde. C'est un problème important. C'est un problème de la survie de notre nation. On s'organise à partir de la semaine prochaine. Nous demandons la démission de Paul Biya. Ça, c'est le message qu'il faut retenir. On ne peut pas être dans un pays hautement criminalisé de cette façon. Et que celui qui doit garantir la sécurité des Camerounais s'amuse, fait du ping-pong. Pas des intérêts, des deals individualistes et égoïstes. Nous ne sommes pas là. Il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais et c'est d'apprendre au sérieux. Laurent Esso est qui? Laurent Esso est qui? C'est un Camerounais comme le reste. Il n'est pas indispensable. Si vous avez traité vos deals ou bien vous avez vos choses, pour que les Camerounais reprennent confiance, pour qu'il y ait le calme et la stabilité dans ce pays, ce dossier de Martinez Zogo, on doit voir clair. Donc, si le président de la République continue à encadrer tout un flou, parce que les enquêteurs nous disent tout est bon, tout est bouclé, ils attendent juste que le chef d'État leur donne les moyens coercitifs pour mettre en difficulté ces ministres-là, pour les interpeller. Ah non, ils attendent. Donc c'est la réaction de Paul Biya. Et quand je parle de Paul Biya, je ne parle pas du monsieur de 90 ans que vous avez vu là. Parce que le monsieur de 90 ans que vous avez vu là, vraiment, c'est n'importe qui. Quand vous regardez cette vidéo, allez voir, pour son anniversaire, c'est Chantal Biya qui est obligé de rafraîchir sa mémoire pour lui dire que tu as tel en face de toi, tel c'est l'autre. Tu te rappelles, il est aussi obligé de saluer. Or, il est malade. Il est sénile. Et la sénilité, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement de ses cellules cérébrales dû au vieillissement. Paul Biya, 90 ans, mes frères. C'est quel âge officiel? Parce que c'est les nez verts. C'est même plus. On se rappelle que Mugabe, 90 ans, cet âge. Mugabe perdait la tête. On l'aimait bien, le camarade Mugabe. Il était fatigué à 90 ans, le peuple. Donc, ce monsieur Senda. Donc, ceux qui gravitent autour, vous voyez que tout le monde est obligé de l'encadrer. On a peur qu'il tombe, on a peur qu'il se perde. Parce qu'il est sénile. Vous voyez, le directeur, le DCC est derrière, il court, tout ça. La femme, elle la chante à tous. Elle fait un geste. On doit scruter même les images. Pas de longues images. On doit tout escruter. Parce qu'on encadre tout un flou. Oh, les vrais décideurs sont autour de lui. Son fils. Et certains des collaborateurs de Paul Biya qui sont autour. C'est eux qui gèrent ça. Donc, si ça n'avance pas, ce dossier, parce qu'ils ont décidé de gérer le Cameroun par des camps, à partir de la semaine prochaine, le peuple doit prendre sa responsabilité. Nous devons demander le départ simple de Paul Biya à la tête du Cameroun. C'est tout.
parce qu'on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Il est exactement 22h09. Je vais devoir me séparer de vous. Portez-vous bien. Le meilleur est à venir. Que Lorenzo, Lipo Motazé et les autres répondent de leur acte. C'est clair. Parce que tout ce qui s'éventile, que vous dites rumeur, au Cameroun, finalement, la rumeur a confirmé qu'elle était souvent vérité. Lorenzo ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité dans le crime crapuleux de Martinez Ogo. Parce qu'il n'est pas sa première expérience. L'une des expériences que nous avions connues, on se rappelle de Bibi Ngouta, dont Lorenzo était impliqué. Mais il était sauvé de justesse par Paul Biya. Cette fois-ci, on ne doit pas le rater. C'est trop. Cette société de gangsters, ce pays de gangsters, ce gangstérisme à la tête de l'État, c'est trop. Il faut qu'il tombe. Justice pour Martinez Ogo. Que Dieu vous accorde l'être et le mouvement pour que le combat continue. Portez-vous bien. Bonne soirée.